Europoslanec za Občanskou demokratickou stranu Edvard Kožušník je nominován na ocenění MEP Awards 2011. Cena je udělována sdružením ANEK již po sedmé a letos se tak stane v listopadu v Bruselu. ANEK zastupuje spotřebitelské organizace z 31 evropských zemí. Na MEP Awards 2011 je nominován v kategorii Vnitřní trh a ochrana spotřebitele za správu a práci v rámci budoucnosti evropské standardizace. Nous sommes dans un grand marché européen avec 500 millions de consommateurs, de citoyens et 22 millions d'entreprises. Et dans ce grand marché, on a supprimé toutes les barrières douanières, mais on n'a pas supprimé les barrières non douanières. Et il y a beaucoup d'obstacles et de difficultés liées aux produits et aux services qui n'ont pas les mêmes standards et les mêmes normes. Et donc nous sommes engagés avec donc la Commission européenne, avec le Parlement européen, et notamment Edouard Kosusnik qui joue un rôle très, très actif, pour point par point, sujet par sujet, faciliter le travail des entreprises qui veulent exporter, échanger, commercer à l'intérieur du grand marché. Technické normy a standardy zásadním způsobem ovlivňují, ani si to třeba uvědomujeme, náš každodenní život. Evropský systém standardizace je zastaralý a potřebuje modernizovat. Nesmí se ale utopit ve složité administrativě, která by zatížila podnikatele i konečného spotřebitele. Moderní a chytré standardy také mohou pomoci vnitřnímu trhu Evropské unie, který je dosud blokován řadou bariér a protekcionistických opatření.